Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Un magicien derrière Al-Moubin. Un magicien derrière Al-Moubin. J'ai bien aimé l'image de ma marketeuse bien-aimée. Vous avez vu, ça vous rappelle quelque chose. Parfait. Et au bout, vous avez Al-Moubin. Parfait. Qui a codé ces mystères intarissables? Cette étude fait suite à ce message reçu le 4-1-2022, nous sommes le 1. Nous sommes le 5. Ascension chaotique me dit, en fait, toi, tu fais comme les magiciens. Tu demandes à quelqu'un de choisir une carte. Et après, tu la sors de ton chapeau, ou je ne sais d'où. Tu es focalisé, E accent, sur le chiffre, sur le nombre. Très bien. Donc, concentre-toi bien, mon ami Ascension chaotique. Et j'ai déjà conseillé, dans une vidéo où j'ai accepté le défi, que j'ai intitulé « Chaos » et je t'ai consacré du temps et je t'ai conseillé. Maintenant, tu continues sur ta lancée. Donc, concentre-toi bien, s'il te plaît, et demande à tous les humains de la Terre, si tu veux, demande au plus puissant cerveau que tu as dans ton entourage. Ils te diront que ce que tu vas voir et ce que tu as déjà vu est tout sauf de la sorcellerie. Donc on commence. Suis-je un magicien des nombres? Donc il me dit que je suis un magicien. Je pose la question, suis-je un magicien des nombres? La réponse va être soit oui, soit non. Donc observe, suis-je un magicien des nombres dont la langue des premiers sans les rangs? Et dont la langue des premiers avec les rangs. Tu es habitué maintenant. Application de Al-Mubin, la science de la programmation divine, sur suis-je un magicien des nombres? Donc les totaux, les voilà. Je divise par le 114 et le 23. Les restes de la division euclidienne, supérieur au 23, je le divise, le reste est 19. 19 est premier, il a comme rang 8. Supérieur au 23, je le divise par le 23, le reste est 1. Il est premier, il a comme rang 6. Donc les nombres, je ne les sors pas de ma poche. Ils sont là, figés. Je ne peux pas en rajouter, je ne peux pas en réduire. Ils sont là. C'est ça, la science Al-Moubin. Donc observe bien, s'il te plaît. 19 plus 8 égale à 27. 13 plus 6, donc les nombres au premier, regarde ce qu'ils vont donner les nombres au premier. 19 plus 8, leur aboutissement c'est le 27. 13 plus 6, 19, mais 19 est premier, il a comme rang 8, donc l'aboutissement c'est le 27. Observe bien, 111 plus 12 plus 24 plus 13 moins 27 égale à 133. Non, sans les rangs. Non, dont la langue des premiers sans les rangs, c'est 133. Donc il y a eu la première fois, et il va y avoir la deuxième fois. Donc c'est non et non. Suis-je un magicien des nombres? La réponse de celui qui a codé, c'est non et non. Et c'est non à l'infini. Maintenant, observe. Ce 1 et 6 qui n'ont pas encore travaillé. Regarde bien. Tout le monde a travaillé. D'accord? Le 1 et le 6, maintenant, tous les deux, regarde ce qu'ils vont faire. OK? Ou 8 moins 1. C'est 1 plus 6 ou 8 moins 1, comme tu veux. OK? Donc observe. Au même, 19 plus 8 plus 6 égale à 33. 33 plus 1, ça fait 34. Divise 2 par le 23, ça va te donner 11. D'accord? Donc observe bien. Observe bien, s'il te plaît. Observe. 27 plus 27 moins 7 moins 4. Au moins le 11 qui s'impose ici, 19 plus 8 plus 6 égale à 33 plus 1 égale à 34, divisé par le 23, ça te donne 11. Donc les deux cherchent le 11, n'est-ce pas? Donc le 11 se confirme à l'infini. Donc 27 plus 27 moins 7 moins 4 égale à 43. La somme des rangs de non. 43 plus 133 égale à 176. Non avec les rangs. Observe. Bon, tu vois, une science parfaite. Je ne sens rien
de mon chapeau, c'est toujours la même science qui se déploie, à merveille. On continue. Application de la fonction cosinus de Al-Mubin, que j'ai déjà appliquée dans un défi pour toi. Donc, pour la deuxième fois pour toi, mais pour la énième fois, je l'applique encore. Donc, observe bien. Suis-je un magicien des nombres? Total, total. Il n'est pas de ma poche, il est figé. Cosinus, il n'est pas de ma poche. Cosinus, il n'est pas de ma poche. Et je te défie encore, je te dis, applique n'importe quelle fonction. Ce qui est phénoménal, ce qui est divin, c'est que n'importe quelle fonction te donnera le même résultat. Non. Donc, somme des chiffres, observe bien, 0 plus 4 jusqu'à 7, 0 plus 8 jusqu'à 0, jusqu'à 7, 78. Il n'est pas un chiffre, donc 6 plus 2 égale à 8. Il n'est pas un chiffre, 7 plus 8 égale à 15. 8 est un chiffre, donc c'est fini ici. Par contre, ici, 1 plus 5 égale à 6. Observe bien, s'il te plaît. 15 moins 8 égale à 7. Ok, ça t'es premier là comme rencard. Concentre-toi bien au maximum, s'il te plaît. Donc, comme ça, 15 moins 8 égale à 7. Ça t'es premier là comme rencard. Maintenant, 62 plus 78 moins 7 égale à 133. Non, sans les ronds. Observe maintenant la somme de tout. La somme de tout, vraiment tous les nombres issus du cosinus, égale à 169. 169 plus 7 encore, donc ici moins 7, maintenant plus 7, égale à 176. Non, avec les rangs. Ok. Maintenant, 176 moins 133, ça veut dire les rangs, la somme des rangs de nombres. Donc ça, c'est la somme des rangs de nombres. Et les premiers, là, comme rang 14. Maintenant, observe. 8 plus 15 plus 6. Les deux ont travaillé avec lui. Maintenant, lui, lui et lui. Le 6 qui n'a pas encore travaillé. Égal à 29. 29 est premier là comme rang 10. Tu te rappelles du 4 qui n'a pas encore travaillé? Donc observe bien. 29 plus 10 plus le fameux 4 qui n'a pas encore travaillé, comme par hasard, égal à 43. La somme des rangs de nombres. Et pourquoi? Parce que 43 plus 14 plus 43 plus 14, la boucle est bouclée. La signature, l'identité numérique de celui qui a codé. Parfait. Maintenant, je pousse le raisonnement à son extrême. Quel est le nombre premier qui a comme rang la réponse à la question précédente? La réponse à la question précédente, c'est quoi? C'est 133. Non. Donc, on va voir le nombre premier qui a comme rang 133. Observe. Le voilà. Le nombre premier qui a comme rang 133, c'est 751. Est-ce que, avec un procédé clair, est-ce que, avec un cheminement clair, nous allons avoir le 751. Observe. Avec la même science. Les races de la division euclidienne. C'est un nombre en jaune parce que c'est un nombre d'Al-Mubin. Donc, à lui seul, il régit l'étude. Dès que tu vois un nombre d'Al-Mubin, dis-toi que c'est bon. C'est réglé. C'est même pas la peine de réfléchir. Donc, observe. 20 plus 42 plus 19 plus 8 plus 14 se bloque parce que ce bloc, il y a dedans le nombre d'Al-Mubin. Il est premier, celui-là, il a comme rang 27. Maintenant, observe bien. 103 plus 7 plus 4, la signature. 103 plus 7 plus 4, la signature. Le 17 s'isole. OK. Maintenant, observe. Le 114 est le rang du nombre premier 619. Maintenant, observe maintenant avec le 40. 103, observe. Plus 40, moins 7, moins 4. 103 plus 7 plus 4 donne 114. Maintenant, 103 plus 40 moins 7 moins 4 donne 132. Observe, 619 plus 132 égale à 751, nombre premier qui a comme rang 133. La question est, quel est le nombre premier qui a comme rang la réponse à la question précédente? Soit tu es fou et tu dis que les nombres réfléchissent, les nombres agissent, les nombres comprennent, soit tu n'es pas fou et tu ouvres ton cœur et tu mets de côté tes a priori. Et tu arrêtes de me défier par rapport à la mort d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Moi, j'essaie de te faire vivre. Je te donne d'abord ce qui te fait vivre. D'accord? Et à la fin, tu auras ton propre nombre de morts, peut-être. Puisque tu poses la question sur la mort des autres, on va se lier, toi et moi, à vie, d'accord, le restant de ta vie, et peut-être à la fin, tu auras ta mort à toi, le nombre de ta mort à toi. D'accord? Arrête de demander la mort de Drucker,
Drucker, j'ai déjà traité. Même que je trouve bon ou que je trouve mauvais, ça c'est rien ça. Que j'interprète bien pour Drucker et pour les autres, ou que j'interprète mal, mais ça c'est rien ça, devant ce que tu es en train de voir. D'accord? Très bien. Maintenant, observe le 17. Rappelle-toi du 17. 17 plus 20 plus 14. Tu vois, eux, ils ont travaillé avec lui. Maintenant, 17 plus 20 plus 14, observe, égale à 23. 17 plus 20 moins 14 égale à 23. Un nombre d'al-moubin. 23 est premier, là, comme rang 9. Maintenant, observe la beauté. Observe la beauté. Observe. Observe la beauté. 40 plus 17 plus 7 plus 4 plus 103 plus 27 plus 114 plus 619 plus 132 plus 23 plus 9. 1049. Nombre premier qui a comme rang 176. Celui qui a codé, une fois qu'on lui a posé la question, il te donne la double réponse. Il te donne le nombre premier qui a comme rang, non sans les rangs, et il te donne le nombre premier qui a comme rang, non avec les rangs. Est-ce que tu as déjà imaginé la possibilité que ça puisse exister? Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Et ce type d'études, je les ai en arabe et en français. Tu en as une tonne. D'accord? Application de la fonction cosinus de Al-Mubin sur quel est le nombre premier qui a comme rang, la réponse à la question précédente. Soumets ça à n'importe quel scientifique. Et il va perdre la tête. Il va devenir fou. Tellement il verra des choses qu'il n'a jamais imaginées et qu'il savait que ça ne peut pas effleurer l'esprit d'un être humain. N'importe quelle personne qui a un minimum d'honnêteté va te dire que ce n'est pas possible. Ce qu'il est en train de vous montrer n'est pas possible. Donc comme ça, total, total. J'applique le cosinus. Et là, on vise quoi? On vise ce nombre et on vise ce nombre. Ah, le cosinus, c'est des petits nombres. Ah, des petits nombres de rien du tout. Comment Allah a codé? Observe. Le même principe. La somme des chiffres du cos. La somme des chiffres du cos. Il y a un nombre. 6 plus 8 égale à 14. C'est un nombre. 7 plus 8 égale à 15. C'est un nombre. 1 plus 4 égale à 5. C'est un nombre. 1 plus 5 égale à 6. Ok. 5 est premier. Il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Cette partie va donner un nombre, le nom, sans les rangs. Cette partie va donner le nom avec les rangs. Observe. D'abord, ici, le maestro. 114 moins 78 égale à 36. 60, ici, c'est 60. Observe. Donc, c'est 68 plus 14 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Je le mets en rouge. Le nombre premier. Et les rangs en noir. Observe bien et concentre-toi. Concentre-toi. Donc voici l'aboutissement. Je ne les sors pas de ma poche. C'est l'aboutissement de la fonction cosinus avec la sauce al-moubine. Observe. Donc ça, c'est pas de moi. Et c'est la même méthode que j'applique à chaque fois. 114 moins 78, nous avons dit c'est 136. OK. Le total ici, 93. Ok. Le total ici, 99. Lui est le rang du nombre premier 523. Lui est le rang du nombre premier 487. Observe. 523 plus son rang plus 36 plus 93 égale à 751. Nombre premier qui a comme rang 133. Waouh! Waouh! Aïe, aïe, aïe! Maintenant, observe. Ici, il y a eu la manip qui vient de cette partie-là, de ce bloc-là. Maintenant, observe la manip qui vient de l'autre bloc. Lui, moins lui, moins lui, moins lui, moins lui, moins lui. Et il y a la 43. 43 est premier, il a comme rang 14. Maintenant, observe, lui, là, il n'a rien fait, lui, il attendait. Donc, observe. 43 moins 14 égale à 29. 29 est premier, il a comme rang 10. Observe les deux nombres premiers, les aboutissements. Donc lui plus lui, observe, plus 29 plus 10 égale à 1049, nombre premier qui a comme rang 176. Comment est-ce possible? Comment tu expliques? Ça dépasse la totalité des entendements humains. Ok? Ça dépasse la totalité
des entendements humains, mon ami. Et je vois même quelque chose d'étonnant que je n'avais pas relevé tout à l'heure, qui va boucler la boucle, je pense. Ah oui, phénoménal. Maintenant, on va faire, regarde bien. Je vais te le faire ici, comme ça, tu vas mourir. Je ne l'avais même pas vu tout à l'heure, donc observe. On n'a pas encore fait 78 moins 15 moins 6. On ne l'avait pas fait. Donc observe, égal à quoi? On a bien vu, tu viens de voir, moins 15 moins 6. Un autre que je te sors de ma poche alors, observe. Observe que la boucle doit être bouclée à chaque fois. On n'avait pas bouclé la boucle, donc la boucle doit toujours être bouclée. Observe. La signature, celui qui a codé. Observe. 43 plus 14 plus 57, tu le vois en direct. Tu vois un numéro de magicien en direct. Observe la signature. La signature d'Allah. L'identité numérique d'Allah. L'identité numérique de l'Qur'an. Ok. Est-ce que le confident des nombres premiers est un magicien des nombres? Est-ce que le confident des nombres premiers, c'est moi? Tu peux demander à Google, tu peux demander à Wikipédia, tu peux demander à la planète Terre. Le premier être humain qui a signé en disant le confident des nombres premiers, c'est moi. C'est Mustapha. L'histoire va le dire et va le redire. Donc tu verras que à chaque fois que je réponds à quelqu'un, va voir sur la page Facebook, va voir sur la page YouTube, va voir dans mes envois de mails, contacte-moi par mail, tu verras la réponse est toujours la même. Je signe, je dis, je mets fraternellement vôtre le confident des nombres premiers. Ok, donc c'est moi. Donc comme ça vient. Est-ce que le confident des nombres premiers est un magicien des nombres? La réponse doit être oui ou non. Doit être 133 ou 247. 133 sans les rangs, 176 avec les rangs. 247 sans les rangs et 314 avec les rangs. Donc observe. Les restes de la division euclidienne. Tu le divises par le 23, le reste est 18. Le 41 est premier, il a comme rang 13, il a comme rang 6. 0, c'est que lui, il est divisible par le 23. Si tu le divises, le reste est 91. Divise le 91 par le 23, le reste est 22. Donc ils ne sont pas de ma poche, ça. C'est l'aboutissement de la science. Ici, supérieur au 23, divise-le, il te donne comme reste 8. Ok. On regarde d'abord ici. Donc d'abord ici, la signature, en entrée de jeu. La signature. Donc ça va se faire ici, et ça va se faire aussi ici. Donc comme ça vient. 13 plus 6, 19. 19 est premier, il a comme rang 8. 91 plus 22, 113. 113 est premier, il a comme rang 30. 114 moins 13, 113 égale à 1. Maintenant, observe. Observe. 41 plus 18 plus 91 plus 22 plus 13 plus 6 égale à 191. Et il est premier, il a comme rang 43, qui a comme rang 14. Observe la beauté. 191 moins 100 rangs moins 100 rangs égale à 134. Il regarde ici. 130, 134 moins 1 égale à 133. Non, sans les rangs. À la perfection. Maintenant, observe. 43 plus 14. Plus 19 plus 8. Plus 30. Ce nombre-là et ce nombre-là. Regarde. Ça signe. La signature. OK. Maintenant, observe. 91 moins 22. Moins 19 moins 8. Observe. Moins la différence de 19, 8 et 1. D'accord? Donc 91 moins 22 moins la différence de 19, 8, 1. Qui ont déjà servi, qui servent encore. Observe. 43. Somme des rangs de noms. À la perfection. Qui a comme rang 14. Maintenant 43 plus 133 égale à 176. Noms avec les rangs. Et 43 plus 14 plus 43 plus 14 donne la signature. De ce côté maintenant, observe la beauté. On a dit la somme, c'est la signature. 100 moins 8 moins 6 égale à 86. Divise-le par le 23, le reste est 17. 17 est premier, il a comme rang 7, il a comme rang 4. 86 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 114. Et 86, observe, plus 17 plus 7, observe. 86 plus 17 plus 7 plus 4 plus... Le 19 ici, qu'on a fait l'aboutissement ici, qui a servi, observe la beauté, égale à 133. Non, sans les rangs. À la perfection. Et maintenant, observe la beauté encore. 86 maintenant. Moins 17, moins 7,
moins le fameux 19, tu vois, tout est lié, moins le fameux 19, donne le 43, somme des rendements. Ce qui fait 43 plus 133 égale à 176. Est-ce que tu as déjà imaginé que ça puisse exister? Et tu as eu la réponse, encore une fois, non, clairement, jusqu'à la fin des temps. Maintenant, application de la fonction cosinus de Al-Mubin sur est-ce que le confident des nombres premiers est un magicien des nombres? Donc, observe. Le cosinus, somme chiffre 1, 7 plus 4, 11, 5 plus 1, 6, fini. 11 est premier, il a comme rond 5, il a comme rond 3, il a comme rond 2, il a comme rond 1. 1 plus 1 égale à 2, 2 est premier, il a comme rond 1. Regarde la beauté. 74 plus 2 plus 51 plus 6 égale à 133. Il sort de mon chapeau ou pas? Et tu vas voir que le reste va boucler la boucle, attention. Le reste boucle la boucle. Donc, la question c'est, est-ce que le confident des nombres premiers est un magicien des nombres? La réponse est non. C'est Allah qui te répond. Maintenant, observe. 74. Observe. 74. Moins 11, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1, moins 2, moins 1. La beauté est moins 6. Regardez bien. Regardez la beauté. Tout le monde sauf le 51. T'en donne quoi? T'en donne le 43. 43 est premier, là comme rang 14. 43 plus 133 égale à 176. Non avec les rangs. Maintenant, le 51, lui aussi, va faire la même chose. Va te donner le 43. Observe. 51 moins 11 plus 2 plus 1. Tu vois la beauté? Égale à 43. 43 est premier, là comme rang 14. Ok, maintenant observe. 43 plus 14 plus 43 plus 14 égale à 114. Donc c'est 43 plus 14 plus 43 plus 14. Ici en rouge. Ici en noir. Tu vois la rigueur? Ici en rouge. Et ici en noir. Après, c'est la fête. Observe. 74 moins 11 plus 51 égale à 114. Et regarde la beauté. Ceux-là, pourquoi eux, ils ont des rangs. 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1. La signature. Tu vois la beauté. Qui a comme rang 9. 9 avec le 14 qui n'a pas travaillé. 9 plus 14 égale à 23. La boucle est parfaitement bouclée. Parfait. Maintenant, le confident des nombres premiers, tu peux me dire, Mustapha, ok, les nombres, ils sont intelligents, ils ont compris que c'est un... Mais qui me dit que c'est toi? Parce que moi, je te dis, toi, tu es le magicien. Qui me dit que c'est toi? Pas de problème. Est-ce que Mustapha est un magicien des nombres? Sans les rangs? Avec les rangs? Ce que j'essaie de te dire, c'est que sans la science al-Mubin, tout ça, c'est pas possible. C'est une nouvelle science islamique que Mustapha a découvert. Qui répond à toutes les questions, passé, présent et futur. Donc observe la beauté de la beauté de la beauté. Donc observe bien, s'il te plaît. Observe. 56 plus 10 plus 21, 87. 56 moins 10 moins 21, 25. Les deux sont inférieurs au 114, supérieurs au 23. Divise par le 23 le reste. Divise par le 23 le reste. Et il a reçu l'ordre d'être premier là comme rond 1. Observe. Observe. Qu'est-ce que tu dis là? Tu dis quoi? J'ai sorti ça de ma poche, regarde. Tu sais, au tout début de la découverte, mon ami Ascension Chaotique, je m'exprimais comme toi. Je disais à quelqu'un à qui j'avais soumis le début des découvertes, je disais, c'est comme si les nombres sont vivants. Je m'exprimais mal à l'époque. Moi-même qui est musulman, attention, et qui croit en l'existence d'Allah, et que Mohammed est son prophète, et que le Coran est sa parole depuis tout petit. En plus, ce n'est pas parce que j'ai hérité ça. J'ai bien réfléchi, j'ai bien analysé, j'ai bien médité. Je suis un esprit cartésien. Et au tout début de la découverte, je me disais, mais ces nombres sont vivants, sont très malins. Quoi que tu fasses, tu n'arrives pas à les tordre. Quand ils veulent quelque chose, ils veulent quelque chose. Donc observe la beauté. Là, ce sont deux opérations que tu connais. La somme de ceux-là et la différence de ceux-là. Avec la science, tu divises par le 23. Ce n'est pas avec n'importe quel nombre, c'est le 23. La durée de la révélation coranique. Ça donne ça, puis ça. Lui, il a reçu l'ordre d'être premier. Tu vois, la rencontre toujours entre les nombres mystérieux
et les nombres premiers et leur rang. C'est ça la science d'Al-Mubin. On a bien la réponse. On fait exactement la même chose ici. Exactement. Comme ça. Lui plus lui plus lui égale à lui. Lui moins lui égale à lui. Divise par le 23. Reste. Et les premiers, il a comme rang. Et les premiers, il a comme rang. La somme est 142. Parfait. Divise le 142 par le 114 et le 23. Reste. 28 plus 4. Observe. Égale à 32. Divise-le par le 23. 9. C'est ce que cherche le 142 pour former, pour formuler le 133 à la perfection. À la perfection. Ok. Maintenant, on n'a pas encore fini ici. 18 plus 25. Comme par hasard, 43. Somme des rangs de nombres. Donc 43 plus 133 égale à quoi? 43 plus 133 égale à 176, non avec les rangs. Observe ici, on continue. Ici, donc, on a dit 133, très bien. Maintenant, observe. Observe bien. 13 plus 6 plus 7 plus 4, encore le 30. Ça, c'est un nombre d'Al-Mubin. Donc, quand il est là, il fout quelque chose, attention. Il va faire quelque chose de grandiose, d'extraordinaire. Il se répète, il s'impose une deuxième fois. Maintenant, observe. Observe. 2 plus 1 plus 13 plus 6 plus 7 plus 4, cela donne le 33. Pourquoi? Divise par le 23, le reste est 10. 33 plus 10 égale à 43. Tu le connais, la somme des rangs de nombres. Il a comme rang 14. 43 plus 133 égale à 176, non avec les rangs. Parfait. Tu te rappelles, ici. Ici, avait regardé ici pour donner le 43. Donc lui aussi doit faire quelque chose. Là plus là. Donne le 43. Mais aussi le même dynamisme, attention, le même travail. 87 moins 2 moins 1 égale à 84. 84 plus le premier 30, la signature. Mais maintenant, observe la beauté. La somme de tous ces nombres très mystérieux qui ont fait tout ça. La somme de tous ces nombres qui ont fait tout ce que tu viens de voir. Égale à 275. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Il a reçu l'ordre d'être premier, il a comme rang 15. La somme est 84 comme par hasard. 84 avec le deuxième 30 égale à la signature. Et 47 moins 15 plus 22 égale à 54 comme par hasard. Pourquoi? 54 plus le premier 30 plus le deuxième 30 boucle définitivement la boucle. Et là, tu vois bien que ces nombres-là d'Al-Mubin ne sortent pas de ma tête ou de ma bouche. Ou de mon chapeau. Ah non, 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 non. Non, non, non. Non, du tout. Du tout, du tout. Le 23 est un nombre qui vient directement de le Coran. Le 114 est un nombre qui vient directement de le Coran. Le 40, c'est l'âge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a rencontré la révélation. Il a été choisi par Allah pour être prophète à 40 ans. Ok? Et c'est le seul âge cité dans le Coran. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Et c'est le nombre qui accompagne, dans le même verset, le seul âge cité dans le Coran, 40. Le 63, Mohammed avait 40 ans, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a appelé à l'islam pendant 23 ans. 40 plus 23, 63, il est mort à 63 ans. 63, c'est un nombre d'Al-Mubin. Donc il y en a 5. Tu vois la beauté? Donc ils ne sont jamais là par hasard. Très bien. Maintenant, application de la fonction cosinus de Al-Mubin, est-ce que Mustapha est un magicien des nombres? Donc comme ça, cosinus, somme chiffre 1, somme chiffre 2, 8 plus 6, 14, 6 plus 6, 12, 1 plus 4, 5, 1 plus 2, 3, et les premiers. Observe, 68 plus 66 égale à 134. Aïe. Regarde la beauté. 12 moins 14, 2. 2 est premier, il a comme rang 1. Qui a donné l'ordre à lui d'être premier? 134 moins 2 plus 1, 133. La réponse, non! Mustapha n'est pas un magicien des nombres. Ok, maintenant observe la beauté. Ceux-là maintenant. Les deux, tu fais, ils ont fait un excellent travail. Ils ont formé un bloc. Maintenant le reste, le deuxième bloc. Regarde ce qu'il fait le deuxième bloc. 43, la somme des rangs de 130 du nom. Donc 43 plus 133, 176, non avec les rangs, à la perfection. Maintenant, observe. 14
plus 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1, observe, égale à 23, à la perfection. Maintenant, 68 plus 66 moins, on advient, la différence. On advient? 68 plus 66 plus 14 plus 12, on advient, plus 14 plus 12, plus 14 plus 12, moins le 6. D'accord? Et il te donne le 114. La boucle est parfaitement bouclée. Ok, maintenant, est-ce que le verset de l'étude confirme ici mieux? Tu n'as pas fait attention. Allah a voulu que je pense directement à ce verset, qui parle de toi et moi. Qui parle de toi et moi. Observe. Je sais que tu es impatient de voir l'âge de ta mort, mais d'abord, concentre-toi parce que là, tu vas vivre. Si tu enlèves les a priori, si tu t'arrêtes de t'entêter, tu vas vivre. Observe. Observe doucement mais sûrement, s'il te plaît. Observe. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Et ils s'étonnèrent qu'un avertisseur leur vint du milieu d'eux. Et les incroyants dirent, c'est un sorcier, un menteur. D'accord? Donc tu vas voir que Al-Mubin, la science de la programmation divine, Allah, va te dire que l'avertisseur est moi et que le croyant est toi. Donc observe d'abord, avant tout, est-ce que ce verset va confirmer l'étude? Donc observe. Eux, ils prétendent que il y a un avertisseur qui leur a été envoyé parmi eux et ils disent que c'est un sorcier. Donc regarde le verset. Le numéro de la sourate de ce verset est 38. Le nombre de versets de la sourate, 88. Le numéro de verset est 4. C'est ça l'identité numérique d'un verset. Lui, divise-le par le 23, le reste est 15. Lui, divise-le par le 23, le reste est 19. 19 est premier, là comme rang 8. Observe la beauté. Ce bloc-là d'abord. Observe ce bloc comme où il est beau. Dans lequel il y a un nombre premier et 100 rangs. Ce n'est qu'une histoire de nombres premiers, de leur rang et des nombres mystérieux. 88 plus 19 plus 8 égale à 115. 115 moins 114 égale à 1. Observe la beauté. 115 moins 1 plus 15 plus 4 égale à 133. Non, ce n'est pas un sorcier. Ok. Maintenant, observe bien. 38 plus 15, 53. Et 88 moins 19 moins 8. On a fait plus, on va faire moins. Égale à 61. 61 est premier, là comme rang 18. 53 est premier, là comme rang 6. Observe la beauté. 53 plus 61, la signature. Et 61 moins 18, 43, tu le connais. La somme des rangs de nom. Donc 43 plus 133 égale à 176. Nom avec les rangs. Et observe la beauté. 38 plus 15 plus 4, puisqu'il y a eu un bloc initial. 38 plus 15 plus 4 égale à 57. Ok. 57 plus 43 plus 14, la boucle est bouclée. Ok, maintenant on observe la somme des rangs. 14 plus 16 plus 8 plus 18 plus 8. C'est par rapport à ce 16 qui n'a pas travaillé, qui n'a pas encore travaillé du tout. Donc observe bien. La somme des rangs, à la fin lui, celui qui n'a pas travaillé. Et maintenant observe. Observe bien. 15 plus 19 plus 8 plus le fameux 16. 56. Initialement, 58, 56 plus 58 égale à 114. Et observe la beauté de la beauté. 88 moins 38 moins 15 moins 8 moins 4 égale à 23. Ce qui fait que le 115 plus 19 donne encore le 133. Tous les autres donnent le 23, la signature. Il reste que lui, avec le 115, confirme encore le 133. À la perfection. Parfait. Maintenant la question, vers qui pointe avertisseur du verset? Je vais te le mettre en rouge. Vers quoi il pointe? Vers qui? Observe la réponse. Sans les rangs, avec les rangs, il est promis, il a comme rang, qui a comme rang? Ok. Application de Al-Mubin vers qui pointe le mot avertisseur du verset? Sans les rangs, 349 et 70. Donc sans les rangs d'abord. Et les rangs vont venir ensuite confirmer le travail. La somme,
Les races de la division euclidienne. Ok. Supérieur 23, divisé par le 23, le reste est 1. Un nombre premier, la combra en 20. Ok. Le nombre premier l'emporte. Somme 100. Somme avec. Concentre-toi au maximum. Tu vas voir qu'il y a une conscience divine. Hop ça. Somme 100. C'est-à-dire la ligne principale. Tu m'as déjà vu faire la même science. Somme avec. Il est premier, la combra en 29, qui a combra en 10. Hop ça. On a encore des rangs. Somme 100. Somme avec. On s'arrête ici. Il n'est pas premier. Il n'est pas premier. Donc c'est bon. Il n'y a plus de 100. Il n'y a plus rien. Ok, il n'y a plus rien là. Ok. Maintenant, observe Al-Mubin. 109 moins 29 moins 10 égale à 70. 114 moins 70. La même science égale à 44. Pourquoi? Parce que 284 plus 44 égale à 308. 328. Mustapha sans les rangs. L'avertisseur. Allah te dit, la métaphore de ce verset de cette étude aboutit vers Mustapha, l'avertisseur. Lui a donné le 328, il a donné Mustapha, lui aussi il faut qu'il donne Mustapha. Donc comme ça, 24 moins 1, un moment crucial, 23. 71 plus 20, 91. Le 23 est le rang du 83. Donc d'abord, 91 plus 23, la signature. 83 plus le 245 donne 328 Mustapha à la perfection. Maintenant, 83 plus 23 plus le 9 qui est le rang du 23, tu ne l'as pas vu, mais c'est le rang du 23, égale à 115. Divise le 115 par le 114, le reste est 1. 114 moins 1 égale à 113, somme des rangs de Mustapha. Et 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 328 plus 113 égale à 441, Mustapha avec les rangs, l'avertisseur. Maintenant, observe. 30 plus 29 plus 10 plus 20 plus 3 plus 2 plus 1, c'est-à-dire la somme des rangs, observe. 30 plus les deux rangs plus ces rangs égale à quoi? Égale à 95. Le moment crucial, il est où? Vraiment, le début du travail, c'est ici. Tout ça, ça a été fait grâce à ces deux-là. 29 moins 10 maintenant. 29 moins 10. 19. 19 est premier, la combra en 8. 95 plus 19 égale à 114. À la perfection. Et observe, là, si tu es cardiaque, quitte s'il te plaît. 95 plus 19 te donne la signature. Et 95 moins 19 moins 8 égale à 68. 68, c'est le rang de 337. Tu te rappelles du 9 que tu n'avais pas vu initialement ici. Le 9 ici que j'ai mis en vert. Observe. 337 moins le 9, qui est le rang du 23, 328, Mustapha, à la perfection. Ok. Maintenant, 337, observe, 337 plus 68, égale à 405. Divise-le par le 114 et le 23. Reste. Divise-le par le 23, le reste des 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Qui a fait tout ça? La somme est 105. Le 105. Comme ici, le 337 a eu besoin du 9 pour former Mustapha. Le 105 a besoin du 9 pour former le 114, la signature, à la perfection. On a fait 337 plus 68. Maintenant, 337 moins 68 égale à 269, le codeur, celui qui a codé, Allah. Et regarde le comment Allah, il est égal à 114. Et tout ce que tu vas voir ici, il est égal à 114. Mais tu as d'autres études qui parlent de ça. Donc, regarde bien. La somme ici, 114. Lui, il est premier, la combra en 13, qui a combra en 6. Lui, il est le rang du 269. Observe la beauté. Le total va être donné par le 133, qui est le fameux nom. Mais là, c'est pas le 133 qui veut parler. C'est pas le nom qui veut parler. C'est l'intérieur du 133 qui veut parler. Observe. Reste. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. La somme est 45. Pourquoi? 45 avec le déclencheur qui a déclenché tout ça, le 68 égale à 113. 113, la somme des rangs de Mustapha. 113 plus Mustapha sont les rangs égale à Mustapha avec les rangs. À la perfection. Et maintenant, on a fait 19 plus 8 plus 18 égale à 45. Maintenant, 19, observe, plus 8 moins 18, moins 18, égale à 9. Tu te rappelles du 9? 337 initial avait cherché le 9 pour former Mustapha.
Et le 105 avait cherché un neuf pour former le 114 et la boucle est parfaitement bouclée. Là, tu vois bien qu'il y a une conscience divine. Maintenant, normalement, il y a eu un changement. Maintenant, avec les rangs, là, il y a un changement, n'est-ce pas? Donc, observe. Les noms vont changer. Les noms vont changer. Ils vont confirmer quelque chose qu'on n'a pas voulu voir tout à l'heure. D'accord? Observe. Ici, rien n'a changé. Ici, il y a un changement. Lui, divisé par le 23, le reste, c'est 11. 11 est premier, là, comme rang 5, là, comme rang 3, là, comme rang 2, là, comme rang 1. Observe la beauté. 11, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1, moins 1, égale à 21. Directement, 349, moins 21, égale à 328, Mustapha, sans les rangs, l'avertisseur, à la perfection. Ok. Maintenant, observe. 24 plus 1, moins 9. 24 plus 1, moins 9. C'est-à-dire le plus grand, moins le plus petit. Égale à 16. Et je fais de même ici. Le plus grand, moins le plus petit. Égale à 46. 46, moins 16. Égale à 30. 30 plus 46 plus 16 plus le fameux 21. À la perfection, tout est lié. Égale à 113. Somme des ronds de Mustapha. Si tu ne le veux pas comme ça, il y a une confirmation. 30 est le rond du nombre premier 113. Comme ça, ça confirme Mustapha. Donc je répète. Le plus grand moins le plus petit. 16. Le plus grand moins le plus petit. 46. 46 moins 16. 30. Maintenant, 30 plus 46 plus 16 plus le fameux 21 qui a bouclé la boucle égale à 113, somme des rangs de Mustapha. 113 plus les, Mustapha sans les rangs, Mustapha avec les rangs. Mais le 30 est le rang aussi du nombre premier 113. Comme ça, ça confirme encore Mustapha. Donc l'avertisseur est Mustapha. Vers qui pointe le mot les incroyants du verset? Là, je vais te tuer. Donc observe. Vers qui ça pointe? Observe. La même science. Les races de la division euclidienne, supérieur au 23. Divise-le, 3. 3 est premier, là comme rang 2, qui a comme rang 1. Nombre premier. Observe. Somme 100. Somme avec. Concentre-toi au maximum. Somme 100. Somme avec. Concentre-toi au maximum. Le 123, c'est quoi? C'est 114 plus 9, 9 étant le rang du 23. Al-Mubin. Et le 114 est le rang du 619. Maintenant, 148 moins 114 moins 23 moins 9, ce qui isole parfaitement le 619. Observe. 148 moins 114 moins 23 moins 9 égale à 2. 2 est premier, là, comme rang 1. Observe la beauté. 619 moins 2 plus 1 égale à 618, ascension chaotique. C'est toi le mécréant. C'est toi l'incroyant. Et tu n'as rien vu. Encore, tu n'as rien vu. Maintenant, observe, 123 plus 148 égale à 271. 271 est premier, là, comme rond 58. Ok, maintenant, observe, le 23 plus 9 moins 2. Le 23 plus 9 moins 2, regarde la beauté, l'intérieur. 23 plus 9 moins 2, les mêmes nombres. 23 plus 9 moins 2 égale à 30. Observe, 271 moins 100 rangs plus 30 égale à 243, somme des rangs de ascension chaotique. Donc 243 plus 618 égale à 861, c'est ascension chaotique avec les rangs, à la perfection. Tu vas me dire, là c'est le hasard qui a fait ça. Pas de problème, on te prend. Ascension chaotique, on le pose, sans les rangs, avec les rangs, et on l'observe. Et là, c'est là où il y a l'âge de ta mort. C'est ici. Même si ça, c'est un identifiant. Jusqu'à la fin des temps, il y a un nombre qui va s'imposer pour toi. Donc, il est là, ta mort. Donc, comme ça, les races de la division euclidienne, tu vas voir que ça va reproduire exactement ce qui s'est passé ici. Exactement. Ce que le verset, là, la question sur le verset, d'accord? Ça va reproduire, tu vas reproduire exactement ce qu'a fait la question sur le verset. Ok, les incroyants du verset. Donc, observe d'abord, ici. Il y a eu ascension chaotique, voilà. Ici. Un angle d'Al-Mubin. Lui, divisé par le 23, le reste est 2. 2 est premier, là, comme rang 1. Divisé par le 23, le reste est 17. 17 est premier, là, comme rang 7, qui a comme rang 4. La somme. 63 plus 48 plus 2 plus 1 égale à 114. La somme ici, c'est 91. 114 moins 91 égale à 23. À la perfection. Donc, comme ça. Et la somme ici, c'est
Le 91. 191, 11 égale 23, ce qui isole le 30. 20 plus 30, 20 plus 10 égale à 30. Donc tu vois, ça isole le 30. C'est celui-là, le 30, qui va partir, qui va rester. Donc 114 est le rang de 619. Exactement ce qui s'est passé ici. Donc le rang de 619, observe. Ok, maintenant ce 1, observe bien. 619 moins 1 égale à 618. Tu vas dire le hasard. Ce qui s'isole, c'est encore 30. 17 plus 7 plus 4. Plus 2, c'est le 30. Donc le 30 s'isole ici, le 30 s'isole ici, et le 1 avec le 119 donne ascension chaotique. Exactement de la même manière. Maintenant, observe la beauté. 20 plus 10, plus 17, plus 7, plus 4. Lui et les autres ont formé 114. Donc il reste lui. Donc ça donne le 58. C'est peut-être cet âge-là. À toi de me demander, de confirmer. Est-ce que ton âge, c'est le 30? Peut-être tu es supérieur à 30. D'accord? Ou c'est le 58. À toi de me demander de te confirmer, d'étudier à quel est ton âge de toi au lieu de demander Drucker. Drucker, je l'ai déjà analysé, je l'ai déjà fait. On m'a demandé de faire Drucker et je l'ai fait. Ok? Donc 58. Et le rang du 261, ça te rappelle quelque chose? Quand on a posé la question sur le verset, le 271 s'est confirmé avec son rang et le 30 s'est confirmé. Observe bien. Le 271 qui a comme rang 58. Et tu te rappelles, le 1, c'est isolé. Le 1, c'est isolé pour donner 79, ce qu'il faut pour te former. Maintenant, ce qui s'isole, c'est 17, 7, 4 et 2. 30. Maintenant, observe la beauté. 271 moins 58 plus 30 est égal à 243, somme des rangs de ascension chaotique. 243 plus 618, ascension chaotique avec les rangs, à la perfection. La question du titre, c'est quoi? Un sorcier derrière Al-Mubin? Je te rappelle. Maintenant, je vais te dire c'est qui est derrière Al-Mubin. Derrière Al-Mubin, il y a qui? Observe. Derrière Al-Mubin, il y a. Derrière Al-Mubin, il y a un quoi? Il y a un quoi? Observe. Derrière Al-Mubin, il y a question. Les races de division euclidienne. Supérieur 23. Supérieur 23. Et les premiers. Observe bien. 21. D'abord ici. 82 plus 13 plus 6 égale à 101. 101 est premier, il a comme rang 26. 21 plus 15, 36. Divise-le par le 23, le reste est 13. 13 est premier, il a comme rang 6. Pourquoi? Parce que le 101, dès qu'il s'est mis ici, il cherchait le 13. Donc soit c'est lui, soit tu lui donnes lui. 101 plus 13 égale à 114. Ok. Maintenant, 101 plus 36 égale à 137. Là, je vais te tuer. 137 est premier, il a comme rang 33. Ok. 137 moins 114 dans le 23. Ok. Somme totale de ces nombres qui ont fait ce travail. Regardez. Somme totale de ces nombres qui ont fait ce travail. Égale à 498. Maintenant, la somme totale des rangs. Là, tu vas mourir, là. La somme totale des rangs. 6 plus 33 plus 6 plus 26 plus 6 plus. Égale à 86. Ok. 114 moins 86 égale à 28. Lui plus lui égale à 526 avertisseurs. Celui qui est derrière Al-Mubin est un avertisseur. Waouh! Waouh! Là, tu vois ça. Là, tu montres ça à n'importe qui, il meurt. Là, crise cardiaque. Moi, ça fait 5 ans que j'ai découvert tout ça. Imagine combien de fois. Ça m'a transpercé le cœur et le cerveau. Ah. Normalement, ça n'est ni queue ni tête. La somme de ces nombres. Ensuite, la somme des rangs de ces nombres. Ensuite, l'application de Al-Mubin pour donner le 28, c'est ce que cherchait lui pour former l'avertisseur. Ok. L'avertisseur sans les rangs. Maintenant, il est où l'avertisseur avec les rangs? Observe. Observe bien, s'il te plaît, tu vas mourir. On était arrivé ici, n'est-ce pas? Mais on n'avait pas pris en compte, on n'avait pas divisé le 26 par le 23. Il était divisé par le 23, donc comme ça. On va le diviser. Ça donne 3. 3 est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe. La somme de ces nombres sans les rangs égale à pile poil la somme des rangs de avertisseurs. 185 plus 526 donne avertisseur avec les rangs. Tu vas me dire, oh Mustapha, et ces deux-là? Ah non, non, là, il y a un problème. Celui qui a codé, il a posé, il a demandé à lui d'être premier, il y a deux nombres qui traînent. Non, il ne faut pas que ça traîne. Donc je ne te crois pas. Pas de problème. Calme-toi. Calmos. On a dit la somme de ces nombres pile poil sans les rangs donne le 185. On peut te dire, la somme de ces nombres maintenant, la somme de ces nombres,
tout le monde avec les 3 sont le 3 dans le corps 185. Mais non, regarde bien la beauté. La somme de ces nombres, elle est bien 188 maintenant. Ok. Maintenant, somme 100. Ok. Somme 100, observe. C'est-à-dire somme de la ligne principale. Ensuite, somme avec. Somme de tout. On regarde la beauté. Lui plus lui plus lui égale à 526 avertisseurs sans les ronds. Waouh! J'ai envie de dire Allahu Akbar. Non, c'est pas le Allahu Akbar de ceux qui veulent tuer des gens. Non, non, non. C'est un Allahu Akbar de ceux qui veulent faire vivre les gens. Un avertisseur qui t'avertit. Tu as encore des chances de faire vivre ton âme, ton cerveau et ton cœur et de revenir vers ton Seigneur, Allah. Parce que c'est Allah qui a codé tout ça et tout ça vient suite à une méditation du Coran. Tout ça vient du Coran. Tout ce que tu viens de voir là, c'est le Coran. Ok. Maintenant, avertisseur dans la langue des premiers sons et avec les ronds. Le mot avertisseur. Donc, sans les ronds en noir et avertisseur avec les ronds en noir. Observe bien, s'il te plaît. Tu es habitué. Sans les règles de la division euclidienne. Divise-le par le 23. Divise-le par le 23. 17 est premier, la comme rang 7, la comme rang 4. Observe. Et tout interagit, attention, tout est lié, tout est connecté. Tous les nombres, toutes les études avant, chacune est connectée avec l'autre. Parce que là, je vois des choses qui sont liées à avant. Donc observe, observe bien. Pourquoi j'ai pas la main? Voilà, observe bien. 70 plus 1 plus 26 plus 17 donne la signature. 20 plus 3 donne la signature. Lui, il est premier, la comme rang 9. Observe, 114 moins 70, ce bloc-là. 44. Maintenant, observe. Le reste. Tout le monde a travaillé maintenant. Le reste. Tout le monde a travaillé. Il reste que cela. Ok. Tout le monde. Tout cela. Que cela, ils ne peuvent pas travailler. 7 plus 4, moins 2, moins 1. Égale à 8. Ok. Maintenant, observe. Somme 100. Somme avec. Très bien. Il est premier, la comprend 36. On continue. Somme 100. Somme avec. Parfait. Il n'est pas premier, on s'arrête. Maintenant, observe. 284 plus 44 égale à 328. Mustapha sans les ronds. L'avertisseur est bien Mustapha. Là, c'est l'analyse de avertisseur. On va bien. Mustapha sans les ronds. Et 3, lui a donné, lui aussi va devoir donner. 320 plus 8, 328, Mustapha. À la perfection. Maintenant, observe. Observe. Les nombres qui ont fait le travail. Observe. Je vais cliquer dessus. Ils sont où? Voilà. 36 plus 44 plus 8 plus 9. Observe. 36 plus 44 plus 8 plus 9. Ce sont ceux-là qui ont contribué à faire ça. 97. 97 est premier, la comprend 25. 97 plus 25 égale à 122. Maintenant, en haut. Tu te rappelles en haut? 70 plus 1 égale à 71. Et en haut, les blocs là. 26 moins 3 égale à 23. 71 est premier, la comprend 20. Donc, qu'est-ce qui se passe? 71 plus 20 plus 23 égale à 114. Le 9 s'isole. Pourquoi? 122 plus 9 égale à 113. La somme des rangs de Mustapha. 113 est premier, la comprend 30. Observe. 113 plus 328 égale à Mustapha avec les rangs. Et 113 plus 328, Mustapha avec les rangs. À la perfection. Un magicien derrière Al-Mubin ou un avertisseur derrière Al-Mubin? À toi de me dire. L'heure est arrivée pour toi de dire. Répète derrière moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah, qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad est son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci à toi. À la prochaine.